Viens. On essaie de savoir avant les résultats officiels qui a gagné. Combien d'euros t'as sur toi? 50 euros. Pour 50 euros, je te dis qui termine le premier. C'est reparti pour une année. Eh ouais, c'est reparti. Ouais. Avec Giro, il a strippé tout l'hiver. Et dès qu'il prend un vol, il déchire. Il déchire. Marseille, c'est toujours cool, tu sais. Il y a des bonnes vibes. La façon dont les gens t'accueillent ici est incroyable. Tu peux être toi-même. Le propos, c'est pas d'être premier, deuxième ou troisième. Mais l'important, c'est le skate et la performance. On fait tous partie de la même famille. Hey, je vous présente quand même au passage le seul mec qui a réussi à faire un ollie au-dessus de la tête de Ben Harper, Marc Cazisa. Il devient speaker officiel du Ball Rider 2005. Tu nous fais une petite démo? C'est du gros, c'est du lourd. C'est terminé. Je sais qu'il y a des Brésiliens ici, mais je ne sais pas combien ils sont. Je vois des t-shirts brésiliens partout et ça me fait délirer. C'est à la couleur de Christian Ozoy. Alors où est Christian Ozoy? T'as vu Christian Ozoy? Peut-être qu'il va sortir de nulle part, d'un buisson ou quelque part, je sais pas. Il vient d'arriver, il est reparti parce qu'il avait un ongle incarné. Donc 2 minutes d'entraînement là, avant d'attaquer ce quart de finale. Toujours pareil, voilà. Round de présentation, 8 minutes de jam session. Les 4 premiers. Les 4 premiers? C'est les 4 premiers là qui sont passés, là, des repêchages, vont pouvoir affronter là. Et après les 4 premiers sont qualifiés pour les phases finales. Ouais, ça va être chaud, chaud, chaud à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Dégage! J'aimerais bien juste passer devant Trujillo, parce qu'il est un peu agaçant des fois. Il est casse-couille, de longue il m'insulte et tout, j'aimerais bien le passer devant. Deal de bracelet. Et non, c'est mon ami. C'est normal qu'il ait le bracelet pour me regarder dans les gradins. Attention. Quicksilver Ball Rider 2005. On est avant les qualifs de la... C'est plus les qualifs, c'est la finale. La demi-finale qui va commencer à 14h30. Il est 2h, ça commence dans 20 minutes, 2h10. Mais je vais vous faire un tour de piste. On est parti, Coco. On a Alex Coschini, peut-être un prétendant à la victoire, on sait pas trop. Alex Giraud, un petit mot là avant la compétition. Quel est ton feeling? Mon feeling, ça va être chaud ou bien. Mais on va tout donner pour y arriver. Chaud bouille-bouille. Bon, et ben nique tout mon pote. Merci. Deux Américains, voilà là. On va à ça. Benji Gallo et François Bonnesse. Bonnesse, Benji, il y a des tics de partout. Frontal transfert. Quicksilver nous a demandé de faire apparaître le soleil, le vent quelque part dans le skatepark. Et vu que l'année dernière on a travaillé beaucoup sur le graffiti pur et dur, cette année on s'est dit qu'on allait faire du graphisme. Donc on a pris sur nous de faire le soleil, le vent du Japon en énorme dans le skatepark et de travailler à partir des rayons pour montrer que le Team Loubéou peut travailler à la fois sur du graphique et à la fois sur du graffiti.
bataille comme Beyoncé les fers. C'est la poursuite des enfants qui plus droit qui se bat. Il y a définitivement quelque chose de très spécial ici. Les gens s'amusent, ça fait la fête, il y a des filles sur la plage. T'as l'impression que tout le monde s'éclate. En plus, le niveau de skate est carrément incroyable. C'est un très bon événement. Dans les lignes qui est en fait infinie, donc les riders ils exploitent de mieux en mieux le ball ou différemment, ils vont de plus en plus haut et en plus on voit que les Marseillais reviennent, c'est leur jardin. Ils sont là, il y en a trois en finale contre trois. Je pense que c'est dément de voir comment les locaux ont progressé. Avant, tu voyais peut-être un Français en finale. Aujourd'hui, tu sais que la moitié des gars qui sont en finale sont soit Français, soit c'est des locaux. Le niveau français a définitivement progressé. Je pense que c'est bien pour la France et pour le skateboard en général. Aujourd'hui, c'est la finale. Alors on va regarder ça. J'adore ça, c'est super bon. Marseille, ça déchire. Quicksilver et toute l'équipe ont vraiment fait du bon travail, de l'intendance à la façon dont on t'accueille ici. Tous mes potes sont ici, il n'y a rien à redire. Franchement, je suis trop content, je me rends pas compte en fait. Mais le mérite grave. Je me suis régalé, j'ai fait une méchante session. J'ai appris plein de tricks que j'avais jamais mis, que j'ai mis comme ça, comme si je savais les faire. Je sais pas, j'étais trop motivé, je me suis régalé. Je pense que j'ai juste fait les trucs que j'avais à faire. Je veux juste être spontané et c'est ce que le skate représente pour moi. Omar gagne chaque année, c'est chiant. Regarde, remets la cassette en arrière. Tu vas voir. Remets la cassette en arrière, c'est du bon.
中国人民的好朋友达利卫，他将用四轮滑板跳跃长城，他表演从长城的一端跳到长城的另一端。好，表演大勇大贤的绝技。Roots Wagga Reggae.
Point the dice up on the rubber dub on the rubber double line.